Essai critique par Roland Barthes. Roland Barthes, il y a un certain nombre de jeunes gens très intelligents, à l'école normale par exemple, entre autres, qui vous considèrent comme un maître à penser. Vous pourriez m'expliquer pourquoi ? Je pense que je suis le plus mal placé pour l'expliquer, ce qui voudrait dire que je prends ce mot à mon compte, ce qui n'est pas le cas. Mais je dirais, disons plus simplement, que les recherches que je fais s'inscrivent évidemment dans un ensemble d'autres recherches qui ont, je pense, une certaine nouveauté actuellement et qu'on peut placer en gros sous le vocable de structuralisme, si vous voulez. Ce que cherchent dans des domaines très différents des gens comme Lévi-Strauss en ethnologie ou Lacan en psychanalyse, eh bien, j'essaye aussi, plus modestement, de le chercher en ce qui concerne un certain nombre d'autres langages, comme par exemple précisément la littérature. Oui, vous travaillez tous, dites-vous, à la lumière de la linguistique. Qu'est-ce que cela veut dire, cela ? Eh bien oui, ça a été, si vous voulez, je pense que tout le monde pourra en convenir aujourd'hui, une sorte de grande révolution dans l'histoire récente des sciences humaines, que cette sorte de promotion brusque de la linguistique qui est devenue une sorte de, disons, de science pilote pour d'autres sciences humaines, comme précisément l'ethnologie ou peut-être même la critique littéraire. Linguistique comme science du langage. Comme science du langage, j'entends bien entendu d'une façon beaucoup plus précise la linguistique dite précisément structurale, c'est-à-dire celle qui s'est développée depuis une trentaine d'années et qui étudie non pas du tout pourquoi nous parlons ou d'où viennent les mots que nous employons, mais comment et fait ce système particulier qu'est une langue humaine. C'est-à-dire comment ça marche le français, comment ça marche l'allemand, etc. Exactement, comment ça fonctionne, si vous voulez. Et le structuraliste, c'est un homme qui s'intéresse au fonctionnement de ces sortes d'objets un peu compliqués que sont, par exemple, des systèmes de signification. Quelle est votre ambition? Je veux dire, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? La question est vaste, évidemment. Oui, c'est très vaste, mais peut-être justement que c'est un peu à la mesure d'une vie d'écriture, disons. Et je crois que ce que j'ai toujours voulu et ce que je cherche toujours encore maintenant, c'est à décrire un certain imaginaire collectif de la modernité, d'arriver au fond à faire ce que les encyclopédistes du XVIIIe siècle ont fait pour le savoir en leur temps, c'est-à-dire l'enfermer en quelque sorte dans 10 à 12 volumes, eh bien je dirais que seul ou avec d'autres, peu importe, mais j'ai envie que soit construite actuellement cette sorte d'encyclopédie, non plus du savoir, car ce serait beaucoup trop difficile, mais des symboles humains, de l'imagination de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire de tout, du vrai, du faux, etc. Du vrai, du faux, du rêve, de la distraction, des fantasmes, tout cela étant véhiculé par des objets extrêmement différents, depuis l'affiche publicitaire jusqu'au récit de presse et jusqu'à l'œuvre littéraire. Mais justement, à ce titre, un fait divers vous intéresse. Pourquoi vous intéresse-t-il ? Eh bien, un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux, la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit. Mais c'est un conte qui est arrivé, c'est une fable qui est arrivée malgré tout. Oui, mais je pense que ce qui est arrivé disparaît presque, dirais-je paradoxalement, sous la façon en quelque sorte nouvelle et générale dont on le raconte. Oui. Mais vous paraissez vous intéresser autant à un fait divers qu'à un roman de Robe Grillée. Et vous aimez Robe Grillée. Oui, je me suis intéressé beaucoup à Robe Grillée, surtout en ses débuts. Et je dirais qu'en effet, pour moi, c'est un peu le même matériau, le fait divers et le roman d'avant-garde. Il s'agit toujours d'un problème d'agencement d'éléments, d'un problème de récit. Comment raconter quelque chose, soit quelque chose qui a existé, soit quelque chose qui n'a pas existé. Au fond, la différence n'est peut-être pas très grande. Est-ce qu'il y a une chose au monde qui ne vous intéresse pas ?
Mais je ne crois pas. Je crois que tout m'intéresse, mais évidemment, en toute chose, pas tout non plus. C'est-à-dire toujours d'un certain point de vue, qui est celui précisément de la signification. Par exemple, sens. Une montre. Mais une montre m'intéresse beaucoup, bien entendu. Ce qui m'intéresse, par exemple, dans une montre, c'est la façon dont le cadran est dessiné, le style des chiffres, si la montre affiche un certain style de simplicité ou au contraire un style de surcharge technique, voyez-vous. Ces choses-là renvoient, comme je le disais, je le pense, à une sorte d'imagination collective. Quoi, une sorte d'archétype de la montre? Absolument, une sorte d'objet essentiel et général qui... dans lequel s'investit précisément toute cette imagination des temps modernes. Est-ce qu'une montre cassée vous intéresse ? Un objet, si vous voulez, et c'est toujours quelque chose de responsable. C'est plus qu'un objet, c'est responsable de ce que les hommes mettent en lui. Une montre cassée vous intéresse ? Bien sûr, surtout si, avec les débris, on essaye de faire autre chose qu'une montre. Ce livre prouve que vous vous intéressez aussi passionnément à Michel Butor, qu'à Voltaire, à Robe Grillet, qu'à Michelet. Qu'est-ce que ça signifie, cet intérêt général? Eh bien, cela signifie, si vous voulez, en ce qui concerne la littérature, cela signifie qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est non pas de pouvoir répondre, ça serait très ambitieux, mais de pouvoir approcher, disons, cette question, qu'est-ce que la littérature? Et c'est pour cela qu'au fond, quand j'écris sur un écrivain contemporain, par exemple, je ne me pose pas tellement sa situation en termes de valeur, comme pourrait le faire un critique qui aurait une tribune régulière dans un journal, n'est-ce pas? Je ne me demande pas si l'auteur, il faut le lire ou non, s'il est ennuyeux ou non. Je me demande quels sont ses rapports avec l'idée de la littérature, avec cette question, qu'est-ce que la littérature? Oui, mais comment peut-on répondre à cette question si on ne sait pas déjà ce qu'est la littérature? Eh bien, je pense que je ferai une réponse peut-être un peu dérisoire. Je dirais que justement, c'est en cherchant la réponse et en ne la trouvant pas qu'on s'aperçoit finalement que la littérature elle-même n'est en quelque sorte qu'une immense question posée au monde et auquel d'ailleurs les écrivains ne répondent jamais. Mais le fait même de poser la question est comme une sorte... disons, d'ébranlement salutaire de nos croyances et de nos habitudes. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais l'idée de la charrue avant les bœufs. Voilà. Merci. Je vous rappelle qu'il s'agit d'Essais critiques par Roland Barthes aux éditions du Seuil.